abandonnent leur effort et prennent rapidement leur distance. 5 minutes d'avance à 30 km de l'arrivée. Le tour est joué. Ils vont se disputer la victoire au sprint. Forcément, dans la voiture du directeur sportif de Chavanel, la tension monte d'un cran. Chavanel s'impose de peu, mais ça suffit à leur bonheur. C'est le troisième succès d'un Français cette année sur le Tour. Voilà 8 ans qu'il attendait cet instant. Cette bousculade, ce tumulte sur la ligne d'arrivée, ces embrassades qui accompagnent chaque jour les vainqueurs d'étape. À Montluçon, Sylvain Chavanel a remporté son premier succès sur le Tour. Après de nombreuses tentatives, ces deux dernières semaines... Deuxième étape en ligne de ce Tour de France 2010, ce lundi, une étape de 201 km. Allez-vous sur les routes de Belgique, de Bruxelles à Spa. Après trois étapes dédiées aux sprinteurs, le Tour de France s'attaque samedi à la moyenne montagne avec la septième étape, une étape jurassienne qui emmènera le peloton vers la station des Rousses. Les coureurs traverseront les départements de la Spagne.